Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Prancy Gaming. On se retrouve pour un nouvel épisode sur GPS4 et nous sommes encore avec le Brésil, le fameux Brésil. Nous sommes bien sûr avec le Brésil. Ok, j'arrête de dire des bêtises. Nous avons amélioré nos relations diplomatiques avec l'Ukraine ainsi que le Japon la dernière fois. Maintenant, que va-t-on faire? Que va-t-on faire? Eh bien, on va faire l'amour avec deux doigts. Non. On va pas faire ça. On a amélioré nos relations diplomatiques, tant mieux. Nous allons maintenant améliorer. Par contre, je me demande comment les États-Unis, ils ont 1 milliard de d'avions là. Bonjour. Mais jure, oui, c'est bien ça, mais moi je veux voir aussi vos aéroports. Bon, ok. En fait, ils ont tellement d'aéroports qu'il y a tellement d'avions. Ok, c'est à retenir. Maintenant, que va-t-on faire? Que va-t-on faire? Eh bien, nous allons améliorer, nous allons regarder nos promesses électorales. Taxe sur les grandes fortunes. Ok. Eh bien, on va faire ça aujourd'hui. On va baisser la taxe sur les grandes fortunes. Pourquoi pas supprimer plutôt la taxe sur les grandes fortunes? 0. Ça fait. Et qu'est-ce qu'ils vont dire le Parlement? Bon, bah ça va. Il n'y aura plus de taxe sur les grandes fortunes. Ça va être. Bon, c'est pas social. Mais c'est mieux que rien. Voilà. C'est mieux que rien. Fête de Noël. Oh. Bonjour. Les Oh oui, les préparatifs sont prêts. L'ONU, on va refaire une demande. Oui, je veux avoir le statu quo, moi. Est-ce qu'on pourrait demander l'adhésion de l'ALENA? Requête retenue, parfait. Genre du G20. Là là là, G7, non. Je suis déjà au G20, moi. Qu'est-ce que je dis? Non, membre. Bah oui. Membre. Non, membre. Je suis sûr que je peux demander à être au G7. Demandez l'adhésion au G7. Demandez l'adhésion à l'OTAN. On va voir hein, s'ils disent oui ou non. Juste pour voir. Hein. Adhésion impossible. Mince, d'accord. Ah bah ça, je savais pas. Et je crois qu'on va créer aussi une organisation au niveau du Brésil pour protéger nos alliés africains. Ça pourrait être pas mal. Je suis en train d'y réfléchir. Ouais, ça serait pas mal. Moi, je veux bien. Je veux bien. Mais comment faire? Enfin, comment faire? Non. Je sais comment faire, mais bon. Il y a un petit séisme. En Colombie, mais ça a aussi touché l'Équateur, hein. Combien il y a eu de morts? Ah ouais, il y en a beaucoup. Le vote a eu lieu et le projet de loi est passé. Ah, très bien. Ben voilà. La deuxième a été faite aussi. Remboursement des soins de ville. Adhésion refusée. Pourquoi? Ah oui. Transfert 5 sur 5, arrivé au poil. Enfin, je commence à mon travail pour demain car ce soir j'ai prévu quelque chose. Ok. Notre agent numéro 1 a réussi à filtrer l'état-major. Sauf un sérieux problème, nous sommes donc en mesure de dégager un bénéfice informationnel net de type E. Entendez, énorme. Hein? Concrètement, notre génialissime numéro 1 est en mesure d'exfiltrer toute information digne du moindre intérêt tactique. Autant dire que l'avantage géostratégique dépasse allègrement le ratio de 138 sur 1. Waouh!
C'est pas mal ça. C'est vrai qu'on a envoyé notre 001 au niveau de la Corée du Nord. Et il y a plein de cas, il y a plein de séismes. Hein. Wow. C'est la saison des séismes ou quoi? 3 séismes. Hein. Bon, j'ai promis quoi aussi? Remboursement des soins de ville. Ouais, on va faire ça. Alors, où est-ce que c'est? Là, non. Oui, ici. Hop, remboursement des soins de ville, on va augmenter tout ça. Hop là. Bon, c'est une petite perte, mais au moins voilà. On rembourse les soins de ville, les gens vont être contents. Mais n'oublie pas ce que je te disais quand tu rentrais de l'école avec une bonne note. Être bon ne suffit pas, il faut être le meilleur. Oh, mais t'en fais pas ça, t'en fais pas, je suis l'un des meilleurs. Les agents ont l'opportunité d'y effectuer une opération. Bah vas-y, va détruire. Santé, finances publiques. Ah, il y a la RDC où il y a une famine. Il y a toujours la famine au niveau de la RDC. Oui, il faudra augmenter les taux directeurs. Heureusement que c'est une fois tous les trimestres. Hein. Heureusement. La croissance est en hausse. Ok. Logement. Et au niveau de la Chine, eux, ils ont quoi comme... ils ont quoi comme inflation? Ah, ils ont quand même une petite inflation. 2-3%, moi aussi j'ai une inflation. Ok, j'ai 4 bombes nucléaires. Combien je peux en faire? Combien j'en ai dit que j'en ferai? Au max, NBC. Secrètement. Ok. 8. J'en veux plein de bombes nucléaires. J'en veux au moins une centaine. Voyez-vous? J'ai équipé le Brésil de l'arsenal nucléaire. Vous en pensez quoi quand même? L'Argentine va l'avoir de toute manière. Donc si je peux me protéger, voilà quoi. Alors, France, Russie, ok. Mais sinon les autres ils veulent pas. Mais tiens, c'est les nouveaux d'ailleurs. Alors il y a le Kazakhstan, il y a la Suède encore. Et l'Italie, il y a la Namibie, ok. Ah d'accord. C'est toujours les mêmes. Ok. Attendez, on va voir ça parce que j'ai pas compris. Attendez, membre du conseil jusqu'au 01-01-2021. Mais pourquoi il y a toujours l'Italie? Ah, peut-être parce que j'ai fait ma demande bien avant. Ah, c'est possible. Alors, waouh, ben il y en a des nouveaux. Le Chili. La Tunisie. Oh non. Oh non. Oh bah non, pourquoi eux? Oh là là. Attendez. Mongolie. La Bosnie-Herzégovine. Ah, même bien. Et la Macédoine. Même bien. Oh, heureusement. Le Chili. Bon, ça va. Faudrait que j'améliore ma relation avec les États-Unis. Me demande si c'est pas mieux maintenant qu'avant. Je ne sais pas. Alors. Ensuite, on va baisser le temps moyen hebdomadaire. À 35 heures. Ouf. Ça va être compliqué. 37 heures. Chômage stagne. Voici donc nos estimations. 10%. Wow. C'est génial. Notre footballeur national préféré a reçu le prix du meilleur joueur de l'année. Oh, la traditionnelle soirée organisée à Paris. C'est Neymar. Grand magazine. C'est d'autant plus génial que notre champion est un de vos plus fidèles partisans. Sa récompense amplement méritée après une saison remarquable. Génial. Plus de moyens. Oui, je l'ai dit aussi que j'allais augmenter les moyens au niveau de l'éducation. Salaire. Non, budget. J'ai dit que je mettrai combien par contre? Élection. Attendez. Élection, effectif, éducation. Du 1200. Ah d'accord. J'ai pas fait une grosse, grosse augmentation des effectifs. Mais c'est parti. On confirme.
Hop là. Nos agents ont dû abandonner. Et là, je vais être à 100%. Ça va être simple. Je l'attends. Voilà. Bah, c'est sûr que là... Enfin, bref. Allez, 100%. On a 100% de popu. Là, en Syrie, il y a eu une catastrophe. Bon, il y a eu un attentat, quoi. Tout simplement, on peut le dire. La Russie, ça serait bien que vous ayez un petit truc. Ok. Le vote a eu lieu. Et le projet de loi est passé. Très bien. À 15 jours, on le fasse passer encore moins. Genre, si on le met comme ça. Ok. Eh bien, c'est parti. Je le veux encore. Ça va créer plus d'emplois en plus. On a 10% quoi. Oh là là. 10%, c'est énorme. Et notre inflation, elle va trop grandir. Ça me fait un peu peur. Mais bon. On va refaire une demande au niveau de l'ONU. Allez, c'est parti. Ils vont trouver ça chiant, mais c'est pas grave. Bonjour. Je veux un allègement de ma dette. De 1000. De 1 milliard, quoi. Ok, retenu. Votre politique. L'armée avec moi, bonheur du Brésil. Ok, on va regarder ça au niveau de l'armée. Et au niveau de l'armée, les gens ils en pensent quoi? Ah, ils m'aiment bien, ça va. Produire secrètement des missiles. 16. 16 et 16. 32, 64. Ça fait un stack si on est sur Minecraft. Et on va faire 64, 128. Et j'ai vu que ma dette a été acceptée. Non, ça c'est très important. On le met à fond. Il faut augmenter ceci. Ah, refuser. Ah d'accord, mince. 0,23. Oh, on a encore augmenté, c'est très bien ça. Parce que notre inflation elle monte trop. Tentative d'élimination du chef de l'État. Oui, vas-y. Essaie de le tuer. Ça va être drôle. Surtout qu'on n'aime pas l'Égypte, donc profitons-en. Oh, le Canada, il y a une vague de froid. Ah bah tiens, pourquoi pas en Russie, il n'y en a pas là. Vous avez changé la donne. Moi j'attends que la Russie en a de vagues de froid. Mais il n'y en a toujours pas. Je voudrais améliorer nos relations avec la Russie. Voyons. Assassinat manqué. Ok. Heureusement, parce que si ça remontait vers nous, on aurait de gros problèmes. Taux de chômage 4%. Ah. Toute augmentation. Bon, c'est pas très grave. Nous allons regarder au niveau encore de nos programmes. Il nous reste encore le programme au niveau des effectifs de la recherche. L'hydroélectricité. Mais tout ça, voilà, tout ça, qu'est-ce que vous savez? On va le faire dans le prochain épisode. En tout cas, ben, moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode. En tout cas, ben, nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Merci de m'avoir suivi. Allez, ciao tout le monde. Ouh. Vas-y.